Hey, on est de retour dans le bloc hip-hop. On est en compagnie de BRH et P of Good Samaritans. What up, les boys? Salut. Bonsoir, monsieur RMS. Ça va bien? Yes, ça va bien. Ça va très bien, man. Et vous-même, ouais. Messieurs? Oui, ça va bien. Yes. Cool. J'espère que le monde va bien aussi, là, dans les autos, dans les maisons. Ça a l'air de bien aller. En tout cas, j'ai pas vu aucune mauvaise nouvelle sur les réseaux par rapport à ça. Fait que tout est good. Cool. Hey, je suis content de vous avoir en entrevue parce que dernièrement, il y a quelques semaines, vous avez sorti un projet en duo qui s'appelle ouais. À moitié vide, à moitié plein. Ouais. Il y a eu un clip fait par rapport à ça. Ouais. Grosse chanson en premier lieu, man. Ouais, yes, yes, go. Beau travail. Puis en fait, je me demandais, c'est-tu une idée que vous mijotiez depuis longtemps de faire un projet ensemble? Ou c'est arrivé un peu de même sur le fly? On s'est rencontrés comme plus proches, mettons. Là, on peut pas dire qu'on s'est rencontrés pour la première fois l'an passé, mais on est vraiment entrés en contact l'an passé ensemble. On s'est vus dans quelque show ensemble. OK. Puis ça s'est fait comme tout seul. On est deux vieilles affaires du rap, puis on file ben, c'est les ça, mêmes c'est trucs. Un peu ça, je me disais, pas dans ce sens-là. On file les mêmes trucs. Je pense, tu sais, on se rejoint bien à ce niveau-là. Fait que ça, tu sais, ça s'est fait de même. Ça s'est fait. Tu sais, dans la musique, souvent, t'as le nez collé sur tes affaires. Puis, Otage, puis Good Samaritans ou Ambassadeur, on a fait des shows des fois en commun. On se voyait, tu sais, what's up, mais pas plus que ça. Je sais pas pourquoi. Il n'y avait pas de raison. On était content de se croiser. Cool, ben, mais, puis, l'année passée, quand Brish a sorti son album Sous la capuche, j'ouvrais pour lui avec Mad Mike à Source de la Martinière. Puis là, on avait rien à foutre d'autre que de prendre de la bière et regarder un show, comprends-tu? On a fait notre set à nous autres, puis après ça, je me suis assis, puis j'ai regardé, puis là, je me suis dit, sacrement, man, que ça sonne. Mais encore pas assez pour, je m'en vais le voir après, puis on parle de... Non, tu sais, c'était pas là. C'est arrivé un petit peu plus tard, un autre show, je me souviens pas c'est lequel, je pense que c'était à l'Anti. Puis là, j'étais sur le side, parce qu'on faisait toute l'ouverture de quelqu'un, BRH, puis Mad Mike, moi, whatever. Puis là, j'étais vraiment à côté, puis là, j'ai regardé, je me suis dit, non. C'est assez, là, ça fait trop avec nous autres. C'était l'ouverture de qui, juste pour la fin de ça? Je sais pas, on a fait trop cet été, je sais pas. C'est vrai qu'il en a eu pas mal, c'est pour ça m'a restitué un peu. On est sorti dehors, là, on était quatre, le Gab, Brish, moi, Mike. Ouais, c'est un des, comme, un des assez, choses ça que va... Gab revenait officiellement et tout. Là, ça va OK, faire... ben oui, c'est ça, il y a eu le... Ouais. Ça va faire, on se fait de quoi, là, puis, tu sais, moi, je travaille le jour sur le transport, puis je fais mes affaires beaucoup à Lévis, entre autres, là. Puis là, ben, Brish, il ressuscite, fait que là, un matin, j'ai envoyé un flag, puis je dis, hey, là, je suis stand-by, je pourrais descendre chez vous. Ah ouais, viens, descends chez eux. Always ready, man. Joue des beats. Oh, yes. Fais rouler des sons, on va trouver de quoi, là. Ben oui, c'est ça. J'ai accroché sur un, j'ai pas continué d'écouter les autres voir. C'est celui, j'ai écrit mon verse, bang. On est parti. Tout ça dans la même journée? Ouais, mais là, fallait que je parte parce que j'ai eu un call. OK. On s'est reparlé, je suis revenu, puis on a clenché ça. Je pense qu'on a tout fait comme une première version. Moi, j'avais un premier texte. Ouais, c'est ça. Et tout. Après ça, j'ai comme fait, ah non, moi, je vais changer le mien. Mais tu sais, pas prends deux mois, là, tu sais, là, trois jours après, je dis, ah, moi, j'ai un autre 16, ça va, tu sais, ça va plop. OK. Puis lui, la même chose. C'est pas parce que son verse, il faisait pas à cut, là. C'est juste lui, il filait plus le deuxième, parce que le premier, si on le mettait dessus, c'est aussi tête, là, tu sais. OK. Un gros fan à faire ça. Y a pas de. Ouais, ça s'est fait comme. Y a-tu une version inédite du prologue ou. Non, mais. Non. Peut-être éventuellement. Je sais pas. Ah oui, on est en train d'en faire un autre, là, justement, avec J.A.B. Sur mon album solo en québécois. J'ai invité Otage sur un morceau. Fait qu'on est en train d'enregistrer ça présentement. Nice, man. Je trouvais ça très intéressant, man, que vous alliez pour faire une track. Parce que, c'est comme si vous êtes des vieux de la vieille du hip-hop. Les deux, vous avez vos débuts dans les années 90. C'est ça, on est de la même époque. On se ressemble beaucoup en plus. Et quand on est ensemble, c'est un peu frappant des fois. Je viens même à faire avec Mad Mike aussi. Là, c'est comme, voyons, on dirait qu'on a le même parcours. C'est ça, on est quoi dans l'eau. Ben, ouais, c'est ça, on a nos ombres au port. Il y a quelque chose, une connexion qui se fait. Là. Tant qu'il est au moins à moitié plein le verre, peu importe ce qu'il y a dans l'eau. Il est tout le temps plein. Yes. Yeah. Fait que c'est ça, aviez-vous déjà un concept de prévu ou c'est à parler comme ça? Là, vous avez trouvé un beat, vous avez dit, bon, qu'est-ce qu'on fait comme... Tu parles de la nouvelle toune, là? Je parle de, à moitié plein, à moitié vide. Ah, celle-là? Non, c'est le refrain. Plus, moi, j'avais déjà comme un refrain qui traînait là. Okay. En ressortant le refrain, est arrivé les textes qu'on a comme taponné, mais le refrain est venu linker, Ouais, c'est ça, puis après ça, le choix du titre, là, bon, on va prendre une phrase dans le refrain, puis... Ben oui.
Ouais. C'est arrivé de même un peu comme les facteurs se proposaient, puis finalement, ouais, ça donnait de très bons résultats. En même temps, c'était un thème large. Là, on voulait pas trop se limiter à... Tu sais, on veut faire un morceau, bon, mais on veut s'amuser aussi, puis on veut parler de quelque chose. On s'est donné large aussi à pouvoir jaser. Là. Ben, je trouve que c'est un bon, bon message véhiculé de pas encourager le monde à se victimiser, puis tu sais... Encourage-toi, puis... Carré, bat-toi le cul. C'est ça, c'est en plein ça. Ouais, ben c'est ça, on est dans une période beaucoup comme ça de déresponsabilisation puis de victimisation, puis ça vient... Moi, personnellement, je suis un peu écœuré, là, ça. Tu sais, on a vécu, on est plus vieux, on a vécu avant cette période-là. On se dit, ouais, c'est que c'est passé, tu sais. Ouais, ça, ouais. C'est pas de bon sens, là. Tout le monde est dépressif ou des niaiseries, tu sais. Tu perds ta job, tu veux te tuer, ta blonde te laisse à la fin du monde. Tu sais, c'est ton attitude qui fait que tu le vois à moitié vide. Tu peux le voir aussi. Ben regarde, c'est un nouveau départ. Là. Il est à moitié plein. Let's go, bat-toi le cul. C'est ça. Non, c'est ça. On dirait que c'est plus facile des fois de tomber dans le mode « je m'apitoyais » que dans le mode « je me battais le cul ». Puis c'est en ce moment, constamment c'est que tu forces. C'est une mauvaise période pour ça. C'est épouvantable. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Essayez de revirer l'affaire un peu, là, Dunton. Puis tu sais, regarde, là, tu sais, change d'angle d'attaque un peu. Ou change ta façon de voir les choses un peu. Puis ça va peut-être bien t'aider au final. Yeah. Tout à fait, man. Puis, ben, vu que tu rouvres la porte à votre prochaine chanson, ouais, avez-vous un concept de prévu? Ah ouais, OK, c'est ça. Hein? Écoute, c'est Phrase qui m'a envoyé un beat. What up, Phrase? Écoute, je le trouvais cool à mort, mais avec eux autres, on a un style agressif ensemble. Et le beat, il est cool. Moi, le sujet était plus hard. C'est Judas. Le titre de la track, c'est Judas. Okay. Tout le monde se fait trahir par quelqu'un éventuellement. On s'est dit qu'on allait rejoindre du monde avec ça. Puis, tu sais, le refrain, il est accrocheur. Ah hein? Oui, c'est le fun. Tout le monde a besoin d'un Judas sauf d'une porte. Okay? On verra si je te pardonne un jour, fils de pute. T'as parlotte facile, mais au fond, tu radotes. Iscariote, les gars comme toi, les exécutes. Yeah. Yeah, ben, exclusivité du blague. Ouais, même pas sorti, tu sais, elle n'existe pas encore. Le refrain, il est barré dans le ciment. Il va falloir que j'aille faire des recherches, savoir c'est quoi exactement un Judas dans les pièces d'une porte. Le trou que tu peux voir. Ah, OK. Dans le. Pas besoin d'un Judas dans le. Ah, c'est un Judas parce que ça peut te servir. Ah, ouais. Nice, man. Ouais, avec le mot, mes affaires sont enregistrées. Il reste. Ben lui, c'est fait. Il reste. Il l'a enregistré, Gab, mais il est encore sur Gab, la... Ouais, puis Gab, c'est pas mal fini et tout. Ouais, moi, il m'a envoyé une petite version hier. Tout m'a parlé. Ah, ouais, Gab, c'est moi, puis JAB, puis Brish dessus. Ouais. C'est barré là-dedans. Tu sais, j'ai invité des gars que je trouve dope là, sur mon album. Il va y avoir Meist. Il va y avoir Mad Mike. Lévesque qui va être là. C'est sûr que j'aimerais avoir tous les gars des ambassadeurs. Mais c'est-tu le gars qui était dans Sagacité? J'ai trouvé dope épouvantable. Puis, pour X raisons, c'est un autre avec qui j'ai pas fait beaucoup de tunes. On a une en particulier qu'on a faite ensemble il y a 15 ans. Comment ça qu'on se fait pas de studio? Parce que ça, on est innocent. Tu sais, des fois, les obligations, le temps. Ouais, ben, en vieillissant, c'est-tu quoi? C'est ça, on le fait plus, ça. En vieillissant, tu te dis. Faut le trouver, faut se le donner. Pour 42 ans, moi. Tu comprends-tu? Voyons, là, si je continue à attendre comme je faisais dans le temps, on va faire quoi? Là? Moi, 38, on va dire, hey, finalement, ce serait pas pire qu'on fasse une tournée. Ouais. Puis on l'a fait-tu, notre tournée? Tu penses-tu que ça serait un bon timing? Non, puis il devrait en avoir d'autres, là, parce que le mot d'ordre là, 2019, là, pas mal pour nous autres, là, ça s'appelle on produit puis on drop. Là, on le prod puis on le drop direct. Là, et lui, il a son projet qui s'en vient. Moi, j'ai mon cinquième qui va sortir en mai. C'est ça. Les morceaux, on les prod, on les sort. Ah, j'enregistre un album avec un groupe rock, gros camion en même temps. Écoute, tu peux nous parler un peu du concept, là. Je sais pas si ça fait longtemps que ça existe, mais moi, je connais ça depuis une semaine et demie environ. Écoute, c'est l'été passé, j'ai eu un coup de fil d'un chum qui dit « Hey, ça te tente-tu qu'on se parle de quoi? » Une autre personne avec qui on se disait, ça faisait des années, que ça serait le fun qu'on fasse de quoi ensemble. Go, viens-t'en au local, on va checker s'il y a une chimie. T'sais. Puis comme de fait, c'est clown, c'est super. Fait que on s'est mis à écrire vite. J'avais déjà préparé une track pour eux autres quand je suis arrivé. Fait que ça a filé tout de suite. Puis on a fait plusieurs tunes d'une shot, puis on est en train d'enregistrer un album là-dessus. J'ai mon album en solo, cet album-là, puis je suis en train de préparer quoi et tout avec Mad Mike et son frère Jimmy Spark. À tous les coups qu'on se voit, on enregistre 2-3 tracks, là, fait que ça va débouler. Ça monte vite dans Mike, là, un projet. On priorise que Mike... Il faut que Mike sorte son album, là, le fort, c'est malade, il spin en loop dans mon char, ça fait déjà un an, là, c'est
terrible. Il faut qu'il sorte son album. Dès que ça s'est sorti, ça va débouler, ça va débouler. Ça... Il a déjà 2-3 de prêts au complet d'autres albums. Ça n'a pas de bon sens de travailler. Lui, Mad, je pense qu'il veut sortir d'une claque son album. Peut-être qu'il prenait le temps de faire quelque chose parce qu'on n'a pas entendu parler de lui pendant des années. Puis là, à un moment donné, il y a tellement de stock. Là. Quelle machine. Tu sais, je veux dire, moi, à tous les coups, je vois chez eux, ça n'a pas de bon sens. Là. À tous les coups, je vois chez eux, ils me rappent 10 tracks que j'ai jamais entendus de ma vie. Puis les 10, c'est des killer tracks. Là. C'est des bangers d'en face. Je dis, voyons, Chris, t'as eu ça dans ta tête? Ouh, moi, mon style. Je serais pas capable de me souvenir des tracks. Il doit en savoir par cœur 150. Tu sais, mettons, moi, je me prépare une gig. Là, je sais que je vais faire de quoi dans une semaine ou deux. Je vais m'en préparer une dizaine. Là, je vais me remémoriser. Non. Il sait tout, même des tracks de 2002. Il se souvient de ça. C'est extraordinaire. Anyway, c'est une machine. Machine à mémoire. Nice, man. Puis, c'est ça. On a une performance live de prévu pour tantôt. Yep. On se garde tout ça là. Ou, on peut développer un peu sur ton projet solo que tu as sorti francophonement, si on veut dire ça comme ça. Je l'ai appelé mon démon. Toutes les affaires qui me tracassent dans la vie. J'avais besoin d'extérioriser ça. La trahison. Ça peut être plein d'affaires. T'sais, la sexualité, souvent la sexualité dans la tête aussi beaucoup. Moi, je suis un gars qui fait beaucoup d'insomnie. J'ai exorcisé ça un peu avec une track là-dessus. Fait que je parle de tout ça. Politique québécoise, il y a des affaires qui me tracassent. Tout ce qui me tracasse dans la vie là-dessus, ça s'appelle mon démon. Hein. Yes, qui pourrait aller chercher naturellement ben des gens qui font les mêmes, l'insomnie. Probablement. Ça se compte par milliers quand même. Yes. Là, pis... Ça sort quand, ça? Je commence graduellement. Je sors une track ici, là. Chaque fois qu'il y en a une qui est prête, masterisée, je la sors. C'est ça. Quand je file pour ça aussi, ou si ça marche, j'ai l'inspiration pour, je tourne une vidéo ou direct sur Internet. Puis quand il va être terminé au complet, je vais envoyer ça sur Spotify, puis iTunes, puis tout. Excellent, on ne manquera pas ça. C'est nice, mais pourquoi tu as décidé de faire ça francophone? Parce que The Good Samaritan, on est habitué de t'entendre rapper en anglais. Ah, c'est vrai, ça faisait des années que j'avais en tête de le faire. Je sais pas, j'en avais pas envie plus que ça. T'avais-tu déjà écrit des tracks en français sans les sortir? Oui, mais je trouvais pas nécessairement ça ben bon ou j'étais vraiment dans mon buzz avec Breeze dans Good Samaritans. Et finalement, pendant Ambassadeur, pendant on a fait le troisième album des Ambassadeurs, je me suis mis à beaucoup écrire en français, je sais pas pourquoi. Okay. C'est venu naturellement comme ça, puis j'avais le goût de le faire. Puis là, j'étais là-dessus. Go, je fais un album en français, c'est là je le file. C'est le fun. Moi, je trouve que c'est un excellent projet à faire. Puis pour les Français, pour la langue française. Puis. Sais-tu quoi? Je voulais le faire, mais j'étais dans mon affaire en anglais. Puis à un moment donné, je me suis aussi un peu écœuré du fait que jamais personne comprend ce que je dis, ça, ou très peu de gens. J'avais envie qu'à un moment donné, le monde comprenne ce que je radote, là. Il y a un message à passer dans le fond, puis tu veux que le monde l'entende comme du monde. Ouais, comprendre, c'est un peu plate que tout le travail que j'ai fait depuis tout ce temps-là, finalement, passe à peu près comme si j'avais jamais rien dit. T'sais. Tu dis, voyons, ça n'a pas de sens. Ouais, là, c'est un peu ça. Qui avait des bons textes et tout. Il y avait un fond en arrière. C'est un groupe à texte, beaucoup. Puis là, finalement, rien, c'est un coup de vent. C'est comme si ça n'existait pas. Souvent, tu tapes sur Google les affaires, ça sort pas. T'sais. Un Good Samaritan, il y a un clip sur YouTube d'un bon Samaritain qui est venu aider quelqu'un qui était pris dans la neige. Je dis, comment ça que mon nom de groupe sort pas quand on t'a dit ouais. Comme si ça n'existait pas. Là, je me suis dit, non, faut que je me rattrape là-dessus. Je fasse de quoi en français? C'était la bonne décision à prendre. Je pense qu'en français, là, t'es sûr que le monde te comprenne. Puis t'as un bon flow, c'est très compréhensible en français. D'ailleurs, une petite track proche qu'on pourrait aller écouter, c'est Hole, que j'ai beaucoup apprécié. C'est qui est le beatmaker à l'origine de... Old, c'est Chuck James qui a fait celui-là. Nice, man. Ouais, c'est un beatmaker de l'estrie, il est terrible. C'est ah oui, hein? Ouais. Sérieusement, c'est un son lourd, ça rappelle un peu là, les vibes Apollo Brown là, qui sort au US, un peu de ce temps-là. Très fat, puis très bon texte que t'expliques dedans. On peut aller l'écouter, puis on revient après. Good. Yes, man. On est dans le bloc hip-hop. Simple.
J'ai jamais vraiment fait le beat qui me tentait. En groupe, on fait de la place, pas mal plus qu'on s'en fait. Jamais souffert de ça, en fait, c'est exactement ce que je voulais. Jusqu'à ce qu'on me demande d'effacer des couplets. Carrière solo, faire à la gueule du sol sur le stage. Me tentait autant, travailler au minimum wage. Toujours préférer l'équipe à la solitude. Contraste, moi qui vis tout seul à chaque minute. Les regrets s'accumulent avec l'âge de mon côté. Dire que mon rêve avant c'était juste de voyager. J'aurais aimé contribuer à changer le monde. Mon discrédite les gars comme moi. La vérité au fond, c'est pas ça qui compte. Tout le temps sous-estimé depuis ma tendre enfance. C'est rare quelqu'un qui écoute ma musique rentre en transe. Pourtant déjà arrive en France puis au States. Le nez prophète dans son pays. Une phrase faite juste pour moi. Damn right, damn right, damn right. Got what it takes, but you know, no one gives a fuck when you're old. Damn right, damn right, damn right, damn right. Got what it takes, but you know, no one gives a fuck when you're old. Damn right, damn right, damn right, damn right. Got what it takes, but you know, no one gives a fuck when you're old. Damn right, damn right, damn right, damn right. Got what it takes, but you know, no one gives a fuck when you're old. J'aimerais pouvoir regarder mon répertoire en rétrospective sans honte. Comme j'aimerais que des blondes que j'ai eues dans ma vie s'enfoncent. Pas toutes mais celles qui ont brisé mon cœur volontairement. Comme dans la musique, des hauts, des bas, au son, les portes se ferment. Toute l'aide qu'on apporte aux autres revient de très rarement. Faut pas dire jamais à qui la forme, je sais pas vraiment. Mais le portrait semble être le même partout, plutôt embêtant. Mes premiers textes méritaient pas d'être des enregistrements. J'ai de la misère, écouter les vestiges de mon passé. Rince des dents quand tu me dis le mot classique, est-ce que t'as fumé? Reste la fierté d'être authentique, même si je suis ruiné. Je vis ma vie sans trop envier les autres de leur destinée. Au moins la moitié de ma vie se déroule en arrière-plan. Miroir en bleu et pour oublier les bouts qui sont gênants. Reste que ceux qui ont du succès ici t'en ont-tu réellement? Serais tout broke si c'était pas de la pression du gouvernement. Damn right, damn right, damn right, damn right. Got what it takes, but you know, no one gives a fuck when you're old. Damn right, damn right, damn right, damn right. Got what it takes, but you know, no one gives a fuck when you're old. Damn right, damn right, damn right, damn right. Got what it takes, but you know, no one gives a fuck when you're old. Damn right, damn right, damn right. What it takes, but you know, no one gives a fuck when you're old. J'ai d'écrire mes textes en franglais. Pour vrai, à quoi ça m'avancerait? Je fais le vieux qui au fond savourait vaincu. C'est pas vrai que je savourais mes dûs. Je le faisais pas au début. Je le ferai pas plus parce que tout le monde le fait. Juste pour être inclus. Yes, yeah, c'était P of Good Samaritan avec le track Old. Gros beat de Chuck James, j'adore ça. Gros texte de P, Fat. On est rendu à prestation live, man, de votre track avec toi, BRH, à moitié plein, à moitié vide. Es-tu ready pour ça, man? Yes. Toujours. Yes. C'est JMD, The Blood Hip Hop. Yeah. Ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être pire. C'est toi qui vois si t'as l'impression de vivre qu'à moitié ta vie. C'est toi qui vois. On vient pas tous du même trou, pas tous les mêmes fonds. Mais pour être ici, on a tout hérité du même don. Pas tous du même côté, chacun ses propres perceptions. Souvent le mensonge et la vérité portent le même nom. C'est qu'on fonce tout le temps en vie armée différemment. Et que même ce que tu crois, qui de droit l'est pas vraiment. Plus vite tu le réalises, plus vite t'arrêtes d'agir en victime. Et plus vite tu t'assumes, moins tu risques de faire de bêtises. Mais encore là, ça reste qu'une question de point de vue. Pour toi c'est la fin de la nuit ou le jour qui débute. Selon qui on se fait crosser ou on contribue, c'est rendu. J'en ai plus rien à crisser, la vie continue. Ah, toi de plus pas là, j'comprends que ça vire de saut. Faut se trouver un poste ou des cachets, faut pas virer fou. Quel boss, pas ton échec qui tue l'espoir. Mais c'est que la vie a tendance à virer l'échec qui est de bord. Ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être pire. C'est toi qui vois si t'as l'impression de vivre qu'à moitié ta vie. Garde les yeux fermés, regarde, c'est toi qui décides. C'est l'éternel verre, à moitié plein, à moitié vide. Ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être pire. C'est toi qui vois si t'as l'impression de vivre qu'à moitié ta vie. Garde les yeux fermés, regarde, c'est toi qui décides. C'est l'éternel verre, à moitié plein, à moitié vide. Yeah, P of GS, BRH, check it. Quand je viens à bout, je m'assis puis j'écoute mes doutes. J'écoute une banque de beats en manque de vie, je demande de luire. Feut avec des manques de fuir, défense de dire autre chose. Faut que mon âme en vire au rose. Pas noircir en le jetant dans dope. Esprit troublé en cause, esti encore poigné dans coke. Attends après le towing, encore les mêmes idées que débiles en boucle. On a toutes, en société on souffre. On se bouffe en vautour autour. Tout le monde semble faire un beau tour, mais c'est un concours. Le sourd en manque d'amour. Mon verre est vide, ton verre est plein. Les deux sont à mi-chemin. Enfant terrible, comportement humain. Un donne l'autre en main en priant divin. C'est l'automne, les feuilles tombent, des fautes d'hommes au cœur tendre.
C'est quoi somme, faut que j'y demande. Je suis vivant, je peux me reprendre. Je peux pas me pendre, tout le monde dépend de ma présence. Ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être pire. C'est toi qui vois si t'as l'impression de vivre qu'à moitié ta vie. Garde les yeux fermés, regarde, c'est toi qui décides. C'est l'éternel verre, à moitié plein, à moitié vide. Ça peut toujours être mieux, ça peut toujours être pire. C'est toi qui vois si t'as l'impression de vivre qu'à moitié ta vie. Garde les yeux fermés, regarde, c'est toi qui décides. C'est l'éternel verre, à moitié plein, à moitié vide. Yeah. CJMD. Block Hip Hop. BRH. P of GS, the okay. S, the R, and the S. Yes, yes. Yes, sir. L'entourage production sur le beat. Grosse prestation, oui. Man. Yes, si. Très, très fat, les boys. Donc, good shot, puis au plaisir de rentendre rapidement la prochaine track que vous préparez. Ouais. Prochain concept. Ça va être toujours good à entendre. C'est déjà en cours de très bonne. Tu sais, il y a 50% du truc de fait, là. Ça va. Ouais, c'est sûr. Ben, vous avez l'air de des gars qui ont l'image dans la tête de ce que ça va être, puis que vous êtes emballés de ça. Fait qu'on l'est nous autres aussi. Je t'annonce que le judo, on va filmer avec un fichier, on va faire comme ça, regarder. Ah ouais, ben oui. Hein. Tu sais, ce que j'ai écrit, ce que j'ai fini d'écrire il y a 3 jours, déjà presque imprégné, ici, là, tu sais, il est déjà presque acquis, le texte, là, tu sais, fait que, non, puis on va faire en show éventuellement, là, c'est sûrement. C'est sûr. OK, nice. Peut-être pas premier prochain qui s'en vient, mais tu sais, le temps qu'on puisse se l'assimiler encore mieux, là, puis ben, le prochain show, ça risque d'être Tech9, on va y aller avec une valeur. C'est ça, je voulais pas le mentionner, va être lui, là, mais moi, je vais le dire, parce que Pi va être là, de toute façon, ce qu'on vient de vous faire là, en ce moment, ça, on va la faire le 7 mars. Okay. Ouais, en version de Tech9. Ouais, ça, on va faire ça, c'est sûr. Parfait, je voulais pas poser la question pour pas des fois que ça n'était pas prévu, mais, mais c'était ma prochaine question. Ouais. Fait que yes, Technan, on rappelle, c'est le 7 mars à la source de la Martinière. Grizzly a annoncé qu'il reste moins de 100 billets. Ah, fait ça que, se peut. Nous autres, il nous en reste plus ben non plus. Fait que, tu sais, venez nous voir sur Facebook Messenger, John Grizzly ou Eric Brisson ou Anthony Janel, si vous voulez d'étiquettes. Il nous en reste plus ben. Il nous en reste moins de 10, nous autres. Fait que, go. Puis ça sont encore 40$ les nôtres, là. Parce que sur le site, ils sont déjà rendus à je sais pas combien, là. C'est ça. Les 50, je pense. Plus ça drop, plus moins il en reste, plus sont chers. Fait qu'on est encore à 40, nous autres. Fait que, gênez-vous pas. Hein. Là, faites encore là. Si vous attendez la journée avant ou quelque chose de même, vous allez écouter le show dehors. Ah, c'est ça. Vous allez être dans le parking. Je pense pas qu'ils vont ouvrir la porte de garage. Je pense pas qu'ils vont la rouvrir, là, autant qu'il va faire. Blush, c'est où qu'on peut t'en rejoindre pour avoir des billets? Ah, sur Facebook. Regarde, là. Allez sur Facebook direct. J'ai une page BRH Otage, sinon Eric Brisson. Mais allez sur BRH Otage. On est plusieurs à gérer ça. Fait que c'est sûr que t'es répondu très rapidement. OK. Bon, ben, parfait, man. Good shot. Là-dessus, on peut se laisser sur un autre track, le track Mon Démon, en fait, qui paraît sur ton album. Autant que tu me fasses jouer le track avec Gab puis Brish après. Le track avec... On n'est pas pareil. Ah, G.A.B. et tout, il va être là. OK, on va se taper, on n'est pas pareil et tout. C'est bon, tout de suite après, on va écouter Mon Démon, puis après, on n'est pas pareil. Right on prend les demandes spéciales, même ceux des invités, encore plus, man. Cool. Yeah. Fait que, on écoute ça, man. Y'a rien de drôle de voir le monde aller. Toujours en train de chercher un moyen de manigancer. Ben paraître la seule priorité. Ça fait pas peur de ce que ça prêche, mais ça a toujours quelque chose à rajouter. Changer les perceptions sur ceux qui ont le dos tourné. La même manie de vouloir influencer. Leader négatif, plein de talent mais pas grande qualité. Dépressif, nonchalant dans la précarité. J'me crisse ben tout soit agressif. Si ça fait pas mon pitch, j'peux ben crisser une volée. Jalousie extrême au point de tout en faire chier. La preuve besoin de chialer sur la facilité de mes rimes en phrasant sous qu'un cac pour qui tout est wack. Rap de bot, pack de mac, mon bad pack, mange-moi le sac. Monde de démon, 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 démon. Monde de démon, 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 démon. Monde de démon, 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 démon. Démon, 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 démon.
personnalité toxique qui contrôle les autres dans l'optique où les dicks stick comme un joystick. Les bills c'est pas plus allergique à la logique iconique. Problème psychologique c'est vapore comme gaz carbonique. Au moins fuck yeah fuck it, two tears in a bucket. Mais avec les mêmes qu'in the beginning, y'a du monde qui sort mal parce que le mal les années monde de démons. Démons d'un peu savoir visiter bon. Tu dois pas pouvoir lire à travers les lignes là c'est mes bons. Que tu prends en plein front, tout en amant parce que t'es con. Pétro, bacon, you fake, fuck, rate tes con. Tout en train de juger les autres, mais jamais capable de regarder autre chose. Ça court dans famille à porte close, le backstabbing. Mais pas un mot d'en face, c'est quoi ton problème, t'es addict. Tout avec ceux que tu désires dans les abysses. À jamais rien faire, c'est facile de jamais se tromper. Faudrait surtout pas que t'ailles le moins de 6 doigts à bouger. Monde de démon, 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 démon. Monde de démon, 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 démon. Monde de démon, 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 démon. Monde de démon, 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 démon. Ça cherche un partenaire de vie basé sa couleur, la grandeur, les manches en tatouage. Mais ça chie sur le monde quand l'avion crache dans l'orage. Ils ont pas senti les turbulences tout le long du voyage. Trop gelé pis ben trop centré dans leurs histoires de fourrage. Flagrant manque de courage, de la rage au bourrage. Cage, virage, de virage, rien que bon pour les venturages. Grand besoin d'éclairage, la cour est pleine mais faut bien vider le garage. Avant que les commérages enveniment davantage les parages. L'annonce de l'heure du ménage sur Facebook fait place au déchirage de plein de coupes. La coupe est pleine de mémérages. Les bons scoops, les gouttes au compte-goutte, les veines, les dérapages mènent à fuck tout. Le nombre de plages de déroute dégoûte l'entourage qui redoute. Les accrochages au point de foutre la marde dans ben tiers, c'est ben foot. Les pieds dans marche en face dans les barrages sur plein de routes. Broyage qui déterrage de plein de foot, cerveau démarrage de plein doute. Bagage du covoiturage sur les plus belles plages de Mongo. Démon, 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 démon. Monde de démon, 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 démon. Monde de démon, 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 démon. Monde de démon, 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 démon. Oh yes, c'était mon démon, track solo de P of Good Samaritan. Fait que très fait encore une fois, mon gars, le vibe est agréablement merci, surpris, étonné. Ah oui, puis l'instru, hein, moi je le trouve puissant et c'était cool. C'était un excellent choix. Ouais, j'ai mis un focus sur choisir des beats qui snap épouvantables. Okay. Dans le sens qu'on... Toutes les peu douceurs, je voulais attirer l'attention. C'est un peu comme un nouvel artiste, là. C'est bizarre un peu. Ben en français de même, c'est vrai. Ben c'est ça qui est accrocheur aussi. Je vais attirer l'attention bien gros, là... des snappers. Là. J'ai Mozaka qui en a fait. J'ai Riopel. J'ai Chuck James. Okay. J'ai Fraz. C'est des snaps de même. Là. Ouais, ben Jimmy oui. Spark. Ils snappent toute la gang. Cool. Très bon choix. Puis, comme on parlait un peu, le boom bap, c'est un peu la culture qu'on aime. Puis le son, la vibe qu'on aime. Ouais, ben c'est ça. Comme on disait ça hors d'onde. Trap, rien compte, absolument pas. C'est juste une autre branche du hip-hop. T'sais. Moi, je suis dans le boom bap. C'est impossible qu'un jour je fasse une collaboration avec un artiste trap, sauf que tu vas retrouver le même genre de style que moi je fais quand je fais un track de boom bap. C'est sûr que je me mettrai pas à délirer à dire à rien. J'ai besoin qu'il y ait une profondeur ou je sais pas. Un focus qui se garde, une recette qui reste. Quelque chose là, de ça, sinon ça me fait rien pantoute. Rien. Ouais, c'est ça, c'est le feeling un peu de le faire puis d'en entendre notre résultat qui est trippant là-dedans. Personne que j'écoute de ce qui s'est fait depuis très longtemps qui tu peux rivaliser avec Big Daddy Kane, admettons, ou Rakim. Moi non plus, je rivalise pas avec eux autres, mais au moins j'essaye de le faire. Ouais. Si eux autres l'essayent pas, en plus, c'est sûr que tu me perds en courbe. Là, okay, c'est ça. Mais non, nice, puis je trouve ça cool parce que t'as pas exactement le même flow que t'avais en anglais. Non, c'est différent. On reconnaît vraiment une différence. On remarque une différence. C'était important, ça aussi, de détacher de ça aussi, je voulais pas. Puis toi, personnellement, tu trouves ça plus dur, le faire en anglais ou en français, ou aucune différence? Non, c'est la même chose. Okay. C'est la même chose. Okay. Mais c'est un autre processus complètement. C'est une autre partie du cerveau qui travaille peut-être? Ou Je sais pas. Premièrement, la voix sonne pas pareil. Non, c'est vrai. L'anglais, il y a de quoi qui se passe plus dans la gorge ou je sais pas trop où. En français, ça se passe ailleurs. C'est vraiment différent. J'ai l'impression qu'il y a que ma fille qui me reconnaît souvent. Là, je suis qui en anglais pas en français. Là. OK.
Ben, moi, je vais t'en connaître, mais c'est vrai qu'à première vue... C'est pas la même affaire pantoute. Non, c'est pas la même affaire. C'est ça, sans dire qu'on reconnaissait pas pantoute, c'est pas la même affaire, puis c'est hot. Justement, là, tu sais, c'est cool. Fait que pour ça, je t'offre ta demande spéciale, mon homme, DJ Ataboy avec BRH, Jabé. Yeah. On n'est pas pareil. Yeah. On n'est pas pareil, mais on est pareil. Yes. Yeah. Mais je te remercie bien de ton entrevue, puis tiens-nous au courant de ce qui se développe pour les projets à venir. Certainement. Toujours là pour ça, mec. Merci à vous autres. Yes. Merci. On n'est pas pareil. Non, on n'est pas pareil. Compliqué, me laisse porter, laisse faire les casse-têtes. Toujours poster l'instinct tant par cœur que par tête. Pendant que tu rêves au stylo automatique, mon nom TH, mais sauté s'élève sans laisse baisser. La même rage d'écrire juste des gros textes. On n'est pas pareil, j'aime ma vie d'artiste, pas celle de vedette. Oublie ça d'impact, on la vit pas comme celle d'une bulle. On ressent tout ce qu'on rappe, c'est brut, pas sketchy comme d'une bulle. Ça a toujours été simple de même, c'est plus grenade que guirlande. Le maïs sur l'attaque à 5 des gros canons, pas de défense. Check, c'est boom bap, c'est comme d'hab, moi l'enveloppe, que ce que dans qui compte. C'est bootcamp, écoute, c'est l'équipe qu'elle a pas, qu'elle a même pas qui compte. Ils disent toutes qu'elles veulent toutes, mais vise pour vite des chargeurs dans le vide. Écoute pas, ça peut pas punch, mais touche pour. Pourtant, même appareil au milieu de mille pages, mais sorti. C'est rap, mais pas pareil, développe l'image, même sans clip. Qui vise l'oreille vive plus que les mille écoutes, c'est les mille pages, mais le même book. Y'a mille étapes, mais loin de mille routes. Vise l'oreille vive plus que les mille écoutes, c'est les mille pages, mais le même book. Plus de mille étages, mais le même foot. Vise l'oreille vive plus que les mille écoutes, c'est les mille pages, mais le même book. Y'a mille étapes, mais loin de mille routes. Vise l'oreille vive plus que les mille écoutes, c'est les mille pages, mais le même book. Plus de mille étages, mais le même foot. Ça vole pas, moi j'plane mon plancher ton plafond. Débloquer mon filon, t'es pour la paix, moi pour la rébellion. Moi j'empile, toi net beat, moi j'découpe le son. N'est pas pareil dans mes filets, toi des lignes pas d'Amazon. Tu parles fort, j'captive, graphique, où est-ce que j'entoille. Ma braise, son feu de boy, mes bases larges, tes larges foyes. Ouais, ta belle gueule, ta grosse tête, ma grande gueule, mes lourds verres. T'abandonnes, j'essaie de faire tes jet set, moi sur terre. T'imagines, j'amène l'image, ta fiction, mes zoomines. Tu joues un rôle, moi j'incarne dans ton film, c'est ma vie. Ça spécule, sur la pellicule, les preuves s'accumulent. Mon groupe, ton groupuscule, moi l'aube, toi le crépuscule. Mon son crépite, le tien sur toi, tu me graves. Bitch, mets pas de bague, t'es qu'est bout d'autre, te désarme. Moi l'espoir, toi la corde, moi l'histoire, toi une époque. Dans le cul-de-sac, t'es l'obscurité, j'suis la porte. Qui okay, vise l'oreille vive plus que les mille écoutes, c'est les mille pages, mais le même book. Y'a mille étapes, mais loin de mille routes. Vise l'oreille vive plus que les mille écoutes, c'est les mille pages, mais le même book. Plus de mille étages, mais le même foot. Vise l'oreille vive plus que les mille écoutes, c'est les mille pages, mais le même book. Y'a mille étapes, mais loin de mille routes. Vise l'oreille vive plus que les mille écoutes, c'est les mille pages, mais le même book. Plus de mille étages, mais le même book. Pour l'entendre dans la radio, faut jouer avec l'antenne. Pour l'entendre dans la radio, faut jouer avec l'antenne. Pour l'entendre dans la radio, faut jouer avec l'antenne. Pour l'entendre dans la radio, faut jouer avec l'antenne. 96.9, the alternative radio station.